À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Allô Éric, on commence avec, puisqu'on parle d'hypnose, bah oui, avec le système Ribadier, bah c'est une reine de l'hypnose. Bah oui, dans votre pièce, Zabou et Laurent, c'est le mari qui hypnotise sa femme pour pouvoir sortir tranquillement. Bah moi j'ai trouvé exactement l'inverse sur NT1, c'est une femme, une cougar, qui elle hypnotise ses proies quand elle sort. Enfin hypnotise, presque, parce que vous allez voir, le français, c'est pas forcément sa principale arme de séduction. Hein. Avec Dominique, ils vont en profiter pour démarcher et inviter des jeunes garçons. Je suis en phase d'observation, d'analyse, et ensuite je suis en phase, recrute. D'accord. Recrutation. La cougar, quand elle a envie de séduire un jeune, elle va mettre ses yeux de façon à faire comme le félin, tu vois. Et automatiquement, le mec est captivé. C'est comme si tu l'hypnoses, tu vois, tu l'hypnoses comme ça. Ouais. Elle hypnose, du verbe hypnoser. Bon, ce qui est bien marqué, c'est vu qu'elle se tape des petits jeunes qui sont encore au lycée, elle va pouvoir leur piquer leur bécherelle pour réviser ses conjugaisons. Elle pourra faire ses devoirs. Un cougar. Bon, il y en a un autre qui nous hypnose. Il n'y a pas de masculin pour cougar. Juste, non, voilà, c'est une petite question pour s'amuser. Si. Parce qu'il faut rappeler. C'est quoi les le masculin de cougar? C'est un vieux salaud. C'est juste pas, vieux beau. Non, mais c'est beau. Oligarque. Bon, je veux parler de quelqu'un d'autre qui nous hypnose à chaque fois qu'il passe à la télé. C'est Pierre Moscovici, notre ministre de l'économie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'il est en interview, Pierre Moscovici, il essaie de nous endormir dans tous les sens du terme avec une technique très particulière digne de l'hypnose. Il répète chaque mot entre 2 et 37 fois. Écoutez par exemple cette interview sur iTélé. Je pense que c'est pas par hasard qu'il a choisi ça. Et les résultats. Et comment les Français vont-ils le comprendre alors que la TVA va passer à 20% au 1er janvier? Comment vous allez communiquer là-dessus? Je vais vous donner quelques chiffres. Je vais jusqu'au François Hollande. Vous allez y revenir. Oui. Écoutez, je viens de vous le dire. Le décideur, l'acteur, Pierre Moscovici. De quoi s'agit-il d'appliquer des mauvaises décisions en même temps. C'était donc Pierre Moscovici, ministre de l'économie. Hein. Bon, sinon, on avait aussi hier soir le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, qui était sur le plateau de C'est à vous. Vous savez, l'émission Dîner d'Anne-Sophie Lapix sur France 5. Ouais. Et alors, vous allez voir, c'est plutôt Anne-Sophie qui a bien dégusté, après lui avoir posé une question qui n'a pas du tout plu à Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, on vous a souvent appelé de Montebourg. C'est quand même un peu ce que vous dégagez. Parce que vous avez une façon de parler comme ça assez précieuse, je ne sais plus lequel de vos collègues le disait il y a peu de temps. Est-ce que vous avez toujours eu cette façon de parler comme ça? Écoutez, madame, je n'ai pas de manière de parler, je m'exprime comme j'ai appris à l'école républicaine. Voilà. Vous pouvez me poser des questions intéressantes. Ça vous énerve que je vous parle? Mais non, mais c'est pas ça, c'est bon. Voilà, je ne sais pas quoi vous répondre. Bonne ambiance, hein. Un bon dîner bien pourri, on aurait aimé en être. Mais n'empêche, ça a bien marché, je crois, en termes d'audience. Oui. Il a redressé l'audience. Oui, il a vraiment redressé ça. Non, elle n'avait pas besoin, ça marche très bien. Et alors, celui qui doit être un peu aussi énervé ce matin, c'est naturellement notre président François Hollande, qui, d'après un sondage, devient donc le président le plus impopulaire de la 5e République. Mais qu'il se rassure, il compte encore quelques fervents supporters, notamment ce candidat des amours sur France 2. Ah, en animal, et en voilà. Animal, mon rêve, c'est d'être réincarné en mouette. Hein. En mouette? Ah oui, passer du côté de l'Elysée et puis pouvoir lâcher les éclats. En mouette, qui n'est pas une mouette, c'est autre chose. Je connais une marque de champagne. Il n'a pas besoin de ça, François, a déjà son costume trempé. Mouette et lâchant. Vous imaginez le costume trempé de François Hollande, plus les éjections de mouette? Non, franchement, il n'y aurait pas de déjà, il se prend toute l'eau. Chaque fois qu'il sort, il pleut. Retour vers le futur. Oui, petit bug sur France 3. Visiblement, ils ont diffusé par erreur un numéro de question pour un champion qui était censé passer dans 100 ans. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir, Julien. Oh là 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 là. Elle a été chez le coiffeur, Jocelyne, elle est magnifique. Oui. Mais elle est belle, Jocelyne, et ça faisait longtemps qu'elle avait envie de venir nous voir. Je suis déjà venue, hein, en 2099. Bah, Et lui qui dit oui, je me souviens très bien. Prends tes coups d'absence, ce qu'on raconte. Oui. Tu dis, je garais mon poney en double fil devant le studio et dire oui, bien sûr. Il s'en fout. Bon, ça y est. Je suis sûr qu'elle a raison, Jocelyne, hein, et que Julien Lepers, il sera encore là dans 100 ans, toujours à imiter le cri du dindon. Animal dont on dit qu'il glou. Chacun fait ce qui lui plaît. On dit j'ai des belles gambettes. C'est vrai. C'est la suite de notre concours à 5 000 euros. Pour quel film Omar Sy a-t-il reçu un César? Pour La Soupe aux Choux, réponse 1.
ou pour Intouchable, réponse 2. Je vois pas. Vous avez une idée ou ? Moi, je dirais comme ça spontanément plutôt la soupe aux choux. La question est tellement difficile, il faut dire. C'est vrai que c'est difficile. Okay. On termine avec la journée mondiale des AVC, des accidents vasculaires. C'est quand on a du mal à s'exprimer. Justement, ouais, on va le rappeler. Petit message de prévention avec ce spécialiste. Je sais pas si vous en souvenez, qui nous avait décrit très clairement, effectivement, les symptômes de l'AVC dans le magazine de la Santé 35. Troisième grand, ne plus arriver à parler brutalement les mots. Je suis peut-être en train d'en faire un. C'est pas à point ça. Mais il en fait un. Dis-moi un dossier sur les gastro. Merci Eric Dussard. Allez, on se retrouve demain. On marque une pause, on retrouve nos invités. À tout de suite.